Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 30 mai 2024, la carte du jour est le 8 de bâton entouré dans ce tirage par le 9 de coupe à gauche, le 7 d'épée à droite, le 7 de denier inversé en bas et la reine de bâton au-dessus. Le 8 de bâton représente la rapidité et la progression. Dans le développement personnel, cette carte indique un moment où tu avances rapidement vers tes objectifs. C'est le moment d'être proactif, proactive et de saisir les opportunités qui se présentent. Sur le plan professionnel, le 8 de bâton symbolise la communication efficace et les projets qui avancent rapidement. C'est le moment de communiquer clairement tes idées et de poursuivre tes objectifs avec détermination. Dans les relations, le 8 de bâton peut indiquer une période de passion et de romance. C'est le moment de poursuivre activement tes désirs amoureux et de prendre des initiatives pour nourrir tes relations. Sur le plan de la santé, le 8 de bâton suggère une énergie accrue et une bonne circulation. C'est le moment de rester actif, active, physiquement et de prendre soin de ton bien-être général. Sur le plan financier, le 8 de bâton peut signaler une période de croissance rapide et de prospérité, c'est le moment d'investir dans des opportunités lucratives et de gérer tes finances avec diligence. Le 8 de bâton inspire la créativité dynamique et l'expression spontanée, c'est le moment de laisser libre cours à ton imagination et de poursuivre tes objectifs et tes projets artistiques avec passion. Spirituellement, le 8 de bâton représente une connexion divine rapide et directe. C'est le moment de rester ouvert, ouverte aux messages de l'univers et de suivre la guidance spirituelle qui te guide vers ta lumière. Dans la prise de décision, le 8 de bâton conseille d'agir rapidement et avec confiance. C'est le moment de faire confiance à ton instinct et de prendre des décisions audacieuses pour avancer dans la bonne direction. Le 9 de coupe à gauche et le 7 d'épée à droite du 8 de bâton suggèrent une tension entre la satisfaction personnelle et le besoin de prendre des décisions difficiles pour atteindre tes objectifs. Dans cette dynamique, on nous dit que tu as su revisiter tes objectifs et les clarifier. Il est possible également que tu jouisses d'une plus grande sérénité à l'avenir grâce notamment à un espace d'écoute, que ce soit une bonne amie ou un conseiller, une conseillère, quelqu'un qui est à l'écoute de toi. Tu pourrais alors être en mesure de voir d'un plus grand angle toute ton expérience en la racontant et donc avoir un angle de vue plus ouvert avec une plus grande amplitude de mouvement et de prise de décision. Le 8 de bâton est associé à Mercure en Sagittaire, mettant en lumière son aspect d'action rapide et de communication efficace. Le 8 de bâton est lié au degré 8, symbolisant le mouvement et la progression rapide. Dans les arcanes majeures, le 8 est associé à la justice, symbolisant l'équilibre et la prise de décision éclairée. Le 7 de denier inversé en bas suggère des retards ou des obstacles dans ta croissance. On t'invite à ne pas rester coincé dans un certain quotidien si les choses ne te conviennent pas. Tu es invité à revoir tes actions par rapport à tes objectifs et à remédier à tout ce qui te dérange et à réaiguiller, réajuster tout ce qui ne t'apporte pas encore les résultats que tu souhaites recevoir dans ta vie. Le 8 de bâton t'encourage à persévérer malgré les défis et à rester concentré sur tes objectifs, mais à poser des actions rapides et efficaces, à suivre cet élan pour poser les bonnes actions et celles qui vont apporter des résultats. La reine de bâton au-dessus représente la passion et la créativité, ce qui va bien dans cette dynamique du tirage. Elle t'encourage donc à canaliser ton énergie vers des projets qui te passionnent et à rester motivé dans tes efforts. En fait, ce qu'on t'invite pour aujourd'hui à faire pour aller plus rapidement et avec plus de joie et de positivité vers tes objectifs, c'est tout simplement de te connecter, et notamment à ton corps, à qu'est-ce qui te donne envie ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux vraiment développer là avec le cœur et avec toute ton énergie ? Dans la course de la vie, la clé du succès réside dans la rapidité de décision et la persévérance dans l'action. Et bien évidemment, ça ne se fait pas sans intuition. Que le 8 de bâton t'inspire à avancer avec confiance et à saisir chaque opportunité qui se présente sur ton chemin. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée de jeudi. On se retrouve demain matin pour la carte du jour du vendredi. À très très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao.